On va continuer avec notre deuxième invité, Sarah, qui était venue avec son amie Marion la dernière fois, l'événement passé. Et voilà, on a échangé des courriels, les deux se retrouvent ici aujourd'hui. Sarah, après Sarah, c'est son amie Marion qui va passer. Merci Sarah d'être là, née à Paris. Termine à l'amour des mots et des textes portés par la chanson française des années 60. Ouais, je suis allé visiter son site web, écouter certaines chansons. Ouais. J'apprécie bien ce que tu fais. Elle va nous interpréter deux chansons ce soir, oui, et nous lire un texte. D'abord le texte, ensuite les deux chansons. C'est le contraire ? Texte, chanson. Alors, mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Sarah. Groupe numéro 2. Donc, on va faire ce qu'on peut aussi, surtout pour les chansons. Le premier texte, c'est... Vous m'entendez ? Oui. Moi, j'entends vraiment rien. Non, je fais confiance. Donc le premier texte, c'est un extrait d'un projet que j'ai qui s'appelle Chronique de terrasse. Je vais juste lire un extrait, comme vous voyez, j'ai coupé. Donc. Chaque semaine, à la terrasse d'un café sans enseigne, un jeu indéfini s'installe. Ni tout à fait dehors, ni complètement dedans, il se pose à la frontière du soi et du monde. Je fais la chronique des instants d'attente, des conversations entre deux événements, de ce qui se révèle sur la pellicule de l'attente dans les lieux parenthèses où il ne se passe rien. Quelle terrasse de quelle ville ? J'ai aucune information à fournir. À quoi ça sert les mots quand on est fixé ? Ça n'est pas une terrasse particulière, vous pouvez la loger dans n'importe quelle ville. Je vous laisse le soin du décor. Inventez-vous des couleurs, des odeurs, selon votre besoin de familier ou d'exotisme. Prêtez-moi un nom, un visage. Un sexe, même si ça vous amuse. Ma terrasse et moi, on se soustrait à l'identité. À l'heure où chacun crée et modifie son profil, pourquoi voulez-vous que je vous fasse un portrait ? Je vous confisque l'information. À la terrasse, je m'offre le luxe d'aller nulle part. Je prends de mes nouvelles au cœur d'une ville qui ne sait pas que j'existe. Des gens passent sans me voir, d'autres me voient sans me regarder. Ils sont défaits du lieu, à tout jamais connecté au-delà de l'espace et du temps. Les informations circulent dans un flot continu, poussé par l'innovation. L'innovation, c'est le même qui change de pose. Mais la création, c'est la rupture. Et dans la rue, la rupture, c'est la terrasse. C'est le refus d'aller quelque part, le refus du dehors et du dedans. Ici, je me retrouve anonyme dans un lieu d'attente au milieu d'un passage. Ma vie, elle pourrait passer en ce moment devant moi que je la reconnaîtrais pas. J'évalue mon poids d'insignifiance. En quoi cette rue serait-elle différente sans moi ? Ce matin, quelque chose en moi fait grève. Mais cette terrasse, elle fait partie de la rue. Elle a été même aménagée pour que je m'y installe. La liberté personnelle a toute l'étendue d'un passage piéton traversé, attendez. J'investis des espaces de résistance qui ont déjà été préparés pour moi et qui sont des vestiaires où le système se met à l'aise. La poésie, la chanson, le slam, le rap, des vestiaires. Il ne me reste plus qu'à les déformer, cubiser la terrasse, lui trouver d'autres centres de gravité et d'autres lignes de fuite. Et puis terrasser les évidences, les soumettre à l'épreuve de la terrasse, arracher les idéaux à leur discours, les personnages à leur identité, les objets à leur fonction, et en faire des mots, des personnages, et des objets de terrasse, avec des bouts de conversation, des morceaux de personnages, posés là, sans psychologie et sans histoire. Clandestin d'une histoire qui n'a plus d'avenue, je m'installe à la terrasse, au port, je passe. Car le poète est éboueur, c'est lui qui ramasse ce qui reste de l'humanité. Il en fait du sens. La poubelle est de plus en plus lourde à traîner, lourde de vide. Chez lui, c'est le port où toutes les errances retrouvent leur destination. C'est le port des radeaux. Parmi les épaves qui se trouvent là, il y a surtout des portraits. Il y a le héros qu'un enfant a voulu être.
Il y a le puissant qu'un homme a cru être. Il y a l'étrangère qu'une femme a appris à être. Tous ces portraits intérieurs qui ne se montrent jamais entiers. Ils errent dans le marché du port, avec dans la poche la photo de rencontres avortées. De rencontres qui n'ont jamais eu lieu parce que trop tôt, parce que trop tard, parce que trop peur, parce que trop vite, parce que trop loin. Les pêcheurs ont des histoires à vendre, à la tonne ou au détail. Ils ont passé la nuit dans la cervelle du poète. C'est une mer jamais docile. Ils ont tissé des filets avec des bouts de phrases tressés dans le réel. Et hop, ils ramassent des histoires, ils en laissent passer d'autres. Et puis partout sur le port, il y a une lumière particulière. Celle-là, on ne sait pas d'où elle vient. Mais ce qu'on sait, c'est que chaque port a la sienne. Elle vient parfois éclairer des taudis, donner des noms aux anonymes, montrer ce qui se cache sous un salut, sous une main qui tombe, sous un sourire derrière un rideau, sous un silence qui enfle. Elle sait faire émerger des possibles sous les plus gros tas d'ordures. Elle sait ramener la vie. Elle serait bien capable d'accoucher de miracles. Voilà le port du poète. Là où se retrouvent les naufragés du réel. Tous les potentiels inactivés qui n'ont jamais pu s'incarner. Toutes les puissances endormies. D'un spectacle, je fais un spectacle moi j'aime Barbara et je prends des notes là-dessus et ça donne des textes, je veux dire. Donc, ça s'appelle La première fois. Ça y est, elle s'est soumise, je l'ai cassée. C'est comme ça qu'on dit la première fois pour une chanson. Elle a résisté longtemps, la garce. Elle s'est laissée caresser que du dessus. Elle m'aguichait, elle se dandinait, mais elle voulait pas se donner. Faut dire que je m'étais pas non plus vraiment mouillée. Et cette fois, ça y est. Et ce matin, son goût traîne encore sur mes lèvres. La chanson, elle exige qu'on l'approche nue. Nue. J'avance nue. Dépouillée d'arrogance. À retenter ma chance sur ta grande avenue. Nue, je suis venue sans nulle autre semence que celle de mon enfance, trop longtemps retenue. J'avance nue. J'entends comme un bruit d'étoffe qui glisse par terre. C'est mon juge intérieur. Ce troisième œil qui m'évalue toujours quand je suis sur scène. J'ai froid, c'est pas grave.
Je sais qu'à la sortie, je le récupérerai. Mes pudeurs font un drôle de bruit quand je leur marche dessus. Le piano s'est fait oublier. La première fois n'a rien à voir avec la chronologie. Ça peut arriver avec une vieille connaissance. C'est arrivé avec une amie d'enfance hier. La chanson dit « Quand reviendras-tu ?» C'est loin d'être ma préférée, mais on ne choisit pas ce qui colle à l'enfance. Depuis plusieurs heures, je me bats avec elle. C'est con une valse, ça donne l'impression d'être régulier, mais pour que ça vive, faut que le poignet danse, faut la faire respirer. Au milieu d'un couplet, je m'arrête, j'ai mal enchaîné ma phrase. Une syllabe mal placée, tout était décalé, ok, on reprend. Laisse-toi faire, je sais plus si c'est moi ou si c'est la chanson qui dit ça. Au fur et à mesure, le rythme s'est installé entre nous et puis il s'est fait oublier comme les battements d'un cœur. D'une main, je lui ai écarté les cuisses, d'une seule octave. Là, entre ces deux notes identiques, il y a eu tout ce que j'avais à mettre. L'abandon, l'espoir, la colère, le dépit, l'attente, tout dans une phrase. Dis, quand reviendras-tu? Et sans prévenir, c'est arrivé, c'est venu de loin. Je lâche le piano, je me retourne. Ça y est, je l'ai eu. Elle est venue. Je suis venue. Je la rencontrais pour la première fois. Je m'enroule au creux de toi, tu t'enroules au creux de moi. Sur scène, ils nous verront abandonner l'un à l'autre, et ce sera là notre autorité. Et c'est eux qu'on aura pour la première fois. Voici une chanson que j'ai écrite pour une femme, donc une chanson d'une femme pour une autre femme. Quelque part au creux de la nuit, chacun traîne au fond de lui, comme un phare qui prie, qui transperce sa peine le brouillard. Il y a comme la voix d'une petite fille qui transporte les hommes du port jusqu'à la fin de leur nuit. Faites silence, un ange chante à paupières closes, tout hésitante, elle va pourtant au cœur des choses. Faites silence, ce qui le temps que chante l'ange à paupières closes, la voix la nuit devant les mots sans envoler, sans vibrato, elle nous les donne à peine cueillies. À tous les bavards
Merci Sarah, on l'applaudit encore une fois si vous voulez. Merci beaucoup Sarah, merci. Et là c'est Marion Cousino avec sa guitare basse. Elle va lire, elle va chanter, elle va jouer à la guitare. Marion que j'ai la chance de voir une fois au petit bar. Ceux qui sont jamais allés, c'est vraiment le petit bar. Voilà, il est vraiment petit. Il est petit. Oh ouais, depuis que je l'ai découvert, voilà, je vais de temps en temps, quand Marie joue, ouais, je suis passé quelques fois là-bas quand même. Alors, j'ai la chance de voir Marion, ouais, vraiment, c'est... Oui, tu avais oublié de brancher. Marion fait, elle chante, elle joue à la guitare, elle écrit des beaux textes. Oui. Tu restes pas là-bas, tu restes là? Lâche pas, oui. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Marion Cousino. Par vous lire un petit texte de Noël et puis après je vous ferai deux chansons. Donc, j'arrive vers 18h. À 2 mètres des marches de chez moi, j'entends mon nom. Il vient du bas de la rue. C'est Réal, le gardien de la maison 10 mètres plus bas, qui m'appelle depuis son balcon et m'invite à passer chez lui 5 minutes. J'ai déjà refusé un grand nombre de fois. Toujours pressé, toujours. Donc, cette fois-ci, je me dis « Ok, allons-y ». Je le rejoins chez lui. C'est tout petit, mais bien optimisé. Il y a de la musique classique à fond, on s'entend à peine. Il m'invite à m'asseoir. Une petite table, avec deux chaises, au bord de la fenêtre, avec vue sur ses belles jardinières de fleurs. Il a l'air très heureux que j'ai fini par accepter son invitation. Il a l'air ému. C'est peut-être juste l'alcool, mais quand même, il a l'air ému. Il me le dit, qu'il est content que je sois montée. Et il me dit, parce que tu es moi. Enfin, pas moi, ce que ma jeunesse impliquait. Je suis fascinée par ces mots, et j'ai envie de les écrire. Je m'apprête à soulever la feuille devant moi sur laquelle il était visiblement en train d'écrire, pour en saisir une blanche en dessous, pour coucher ces mots, mais il m'arrête. Il faut que j'écrive sur la première feuille. Celle avec la date d'aujourd'hui écrite en verticale sur la gauche et qui est au cas recouverte d'une écriture qui à première vue semble à peine déchiffrable. Je m'exécute. J'écris ces trois phrases qu'il vient de prononcer en deux lignes à la suite des siennes. Nos deux écritures sont aux antipodes l'une de l'autre. La mienne est aussi petite que la sienne est grosse. La sienne est aussi mal formée que la mienne est appliquée. Le contraste est saisissant. Il a l'air heureux que j'ai eu envie d'écrire ces mots et encore plus que je l'ai fait à la suite de ceux qu'il avait écrits plus tôt. Il me propose ou me demande, je ne sais plus, de lire ce qui se trouve en haut, ce tracé de sa main. J'ai peur de ne pas arriver à déchiffrer, mais j'essaye, et dans l'ensemble j'y arrive. Je les lis à haute voix. Il aime ça. Il se lève et attrape un paquet de feuilles, une ramette plutôt, le papier qui enveloppe les feuilles de papier. Et il sort une liasse de feuilles, toutes couvertes de cette même écriture, plus ou moins brouillonne selon les pages, toujours datées. Il ouvre le paquet au hasard et me demande de lire. Je le fais. Il saisit quelques feuilles, ouvrant le paquet en un autre endroit tout aussi hasardeux, et me demande de lire là. Il prend un plaisir son nom. Et je dois dire que moi aussi. Ces mots sont étonnants. Je me délecte de ce déchiffrage à vue. J'essaie d'être fidèle au texte, mais je me surprends des fois à modifier des phrases auxquelles grammaticalement il manque un mot. De quel droit? Et en vertu de quoi? Je ne le ferai plus. Il continue à boire du vin rouge, mais ne m'en propose pas. Ce sont en fait des fragments de texte soulignés par les changements répétés de couleurs d'encre, fragments de phrases, des fois. Je m'efforce autant que possible de faire honneur à ce que je lis, à ces mots que je prononce et qui sont les siens. Je les savoure, je prends mon temps. Et je suis touchée par cette poésie brute, par son incohérence, par ses sonorités, et par ces perles que je croise de temps en temps, agencement de deux ou trois phrases dont la sonorité est aussi belle que le sens est profond. Qui me trouble parce que j'aurais aimé les écrire. Je pense à la liberté de cet homme, au fait que toutes les bribes de non-sens qu'il s'autorise à écrire permettent à ces quelques trésors d'exister. Je pense à Bukowski, à Leprest.
et à moi qui réfléchis trop. Je pense au fait que je ne pourrai jamais écrire comme cela. Je chasse cette idée de ma tête. Ce n'est pas le temps de penser à moi et encore moins celui de m'apitoyer. Je continue à lire. Il continue à boire. Il me dit de temps en temps que j'ai compris exactement, que c'est comme ça qu'il l'a écrit et que je l'ai forcément compris puisque je l'ai lu de cette façon-là. Et il me prie de continuer, encore, continue, suivi de ce « s'il vous plaît, Québécois, qui ne vous voit pas ». Je ne sais pas combien de temps ces mots et ma voix ont résonné dans sa chambre. Je pense que ni l'un ni l'autre n'avons conscience du temps. Je vois tes yeux qui disent mes mots. Ah oui, ça, je me souviens. Encore, s'il vous plaît. Ça, là, en montrant du doigt. À un moment, je ne sais plus comment, j'ai envie d'y aller. Je lui dis, je vais y aller. Il me remercie et me demande s'il peut m'embrasser. Il voit à ma tête que j'hésite à répondre. Il me dit non, pas embrasser, mais embrasser. Je le prends dans mes bras. Il doit faire une demi-tête de moins que moi. Son oreille trouve mon épaule et reste blottie là, longtemps. Je sens son ventre lorsque nous respirons. Au sortir de cette étreinte, j'esquive ses lèvres qui me cherchent et je m'en vais. Quand je m'engage dans les escaliers, un peu chamboulé, j'aperçois une lettre posée en haut des marches. Je la reconnais immédiatement, c'est une lettre de toi. Était-elle déjà là quand je suis montée? Je ne le sais pas. Mais c'est une lettre de toi, encore fermée, c'est celle que j'attendais. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je la saisis et la montre à Réal qui est encore sur le pas de sa porte. Il ne sait pas non plus ce qu'elle fait là. C'est bien ton écriture. Je reconnais même le timbre, c'est le même que sur la précédente. C'est bien mon nom que tu as écrit. C'est bien mon adresse qui le suit. Je continue de la regarder, toujours aussi perplexe. Je scrute l'adresse et finis par comprendre. Ton 6 est bizarrement formé. Le facteur a dû le prendre pour un 5. Je suis vexée qu'il n'ait pas fait attention. Qu'il ne sache pas depuis tout ce temps que ces lettres me sont destinées à moi. Je réalise le ridicule de cette pensée. Je reviens à Réal, qui est maintenant en haut de l'escalier, à 1 mètre de moi. Je revois la petite table, je revois les feuilles, je ressens ces mots dans ma bouche et je me demande ce qu'il serait advenu de cette lettre si je n'étais pas venue aujourd'hui me noyer dans les mots de Réal, au 2152 de la rue Amherst à Montréal. First song ever, first time ever. Y'a comme un vide qui plane sur le canal. On dirait que l'eau s'est endormie. Puis un truc qui est pas normal. Y'a pas de bruit. Ça glacerait une flamme. Ce silence qui se répand tranquillement. Mais ça couvre pas son absence. Elle s'entend. Ça se joue à rien, ce genre de choses. Quand on vit sa vie sur un fil, il suffit d'un moment morose et tout ce qui est devient futile. Les cœurs, c'est comme les roses. Ouvert, c'est fragile. Hier encore, je l'ai vu partir gaiement le rouge au nez. Il s'en allait courir les rues, offrir des moments de gaieté. Il s'est perdu dans ses pensées, entre les noirs et les pas mûrs. Les vertiges les avaient cachés pour leur éviter des blessures. Et oui, c'est trop tard, mais allez pas croire qu'il est parti résigné. Le clown y était juste fatigué. Il est parti à l'assommoir sans jeter 2-3 à la santé. De
tous les sourires en miroir qui sont passés. On a retrouvé dans le square un petit paquet enlubané. Dedans son nez et un mouchoir encore mouillé. Je lègue ici mes accessoires à qui saura se faire rire au nez. Je dis pas que c'est facile tous les soirs, mais quelle leçon d'humanité. D'un texte qui a été écrit par un homme, mais d'abord pour une femme, qui a été créé par une femme et qui a été écrit pour les femmes. L'auteur en est Alain Leprest, c'est Gérard Piron qui a fait la musique et ça s'appelle Sarment. Je reviens chanter doucement, sans bruit, sans applaudissement, à ton oreille doucement, maman. Juste 10 mots, juste un moment, ma Mirabelle au bois dormant. Je sais que tu ne dors pas vraiment, maman. Là-bas au pays des sarments, on va toujours docilement, de mariage en enterrement, maman. On mange toujours goulûment l'olive noire et le piment sur les tartines de froment, maman. Ici même le vent nous ment, c'est tout requin, tout caïman, c'est tout en toc, c'est tout ciment, maman. Je veux pas te faire de tourments, mais dis-moi pour qui et comment on se fait un tel châtiment, maman. Je reviens chanter doucement, sans bravo et sans boniment, ton oreille doucement, maman. Paisiblement, furtivement, ma mémoire comme un aimant remonte ta source en ramant, maman. Que la terre jalousement garde tes larmes et tes serments, le nom de ton plus bel amant, maman. Sous tes yeux clos brûle un diamant. Je suis sûre que le firmament t'a couché sur son testament, maman.